sur combien? Ok. Moi? Oui, tu te dis. Combien? 9? Oui, vas-y. 12. 10. 11. C'est combien? 11. Mais pourquoi est-ce que vous venez ici? Vous avez envie d'avoir des gros muscles comme... Non, c'est pas possible. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas possible. À tout le monde à qui je dis ça, je fais du bodybuilding féminin, ils me disent « Oh, tu vas devenir comme un homme ben, !» C'est pas possible, pas pour les femmes, enfin. Enfin, j'espère. Quand on revient à un homme, notre entraîneur nous a dit que ça n'arriverait pas. On a confiance en lui. Et... Oui, à un certain âge, les femmes attrapent des formes à des endroits où il ne faut pas. Oui, alors, nous, on vient aussi pour les perdre, quoi. On a bon fait régime, mais on ne perd pas toujours là où on veut perdre. Hein. Alors, la preuve, ça nous aide. Donc, c'est ce que vous attendez de M. Michaud, oui. Votre entraîneur, qu'il fasse perdre des kilos. Personnellement, moi, il faut pas perdre des kilos, changer de forme. Qu'est-ce que le bodybuilding féminin? Eh bien, c'est simple. Il ne ressemble pas à la gymnastique, il ne ressemble pas à la culture physique au petit bâton. C'est vraiment un remodelage complet de la ligne de la femme suite à des exercices bien déterminés pour ses parties corporelles dont elle a besoin. Et aussi, c'est la seule manière pour la femme de se développer intégralement et d'avoir une ligne impeccable avec des charges additionnelles, des appareils appropriés et tout le Saint-Tremblement qui s'y met aux alentours. Mais pour la femme, c'est vraiment ce qu'elle... désir, ce qu'elle cherche à avoir, et il n'y a que le bodybuilding féminin qui peut le faire. Vous voyez rentrer un gars dans votre salle. Il ne présente aucun signe qui vous dit qu'il va devenir champion. Parce que ça n'existe pas. On ne l'est pas champion, on devient champion. On devient champion par un travail très dur, par la chose la plus difficile à faire. La confiance entre l'entraîneur et l'athlète. J'avais été voir un film au cinéma d'Hercule et enfin, de ce genre-là, quoi. Et je rêvais tout le temps de devenir plus ou moins costaud. Et... cela fait déjà 2 ans que j'y suis maintenant et je continue toujours et j'ai environ pris 12 kilos de poids. Et tu espères quoi? Devenir champion. En plus, ça, moi j'avais un problème de poids, c'est-à-dire que je mesurais 1m72, je faisais 94 kilos quand je suis arrivé ici. Et en 6 mois, grâce à notre entraîneur, je suis parvenu à perdre 12 kilos immédiatement. Le bodybuilding au point de vue médical. Il y a quelques années, j'ai fait un infarctus qui m'a laissé une cicatrice au cœur. Alors, Jean Michaud m'a établi un programme tout à fait spécial qui a été soumis à mon médecin. Il était d'accord et ça s'est amélioré de façon très satisfaisante, enfin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis en parfait état. Parce que moi aussi, quand je les voyais, je dis « Oh, c'est pas beau, c'est laid, c'est ci, etc. » Et au fur et à mesure que l'on se voit changer, on se dit dans le fond, si je faisais encore un petit effort supplémentaire, je pourrais peut-être arriver comme eux.
couru, là. Les champions doivent suivre un régime alimentaire. Pourquoi? Parce que dans le contexte actuel de la compétition, on exige d'un athlète qu'il soit volumineux, qu'il soit défini, et pour le mot défini, je précise que les muscles soient saillants, qu'on voit très bien chaque trait du muscle, chaque attache du muscle, et que son ensemble soit magnifique. Le régime alimentaire a beaucoup d'importance là-dedans, parce qu'il doit supprimer systématiquement ses hydrates de carbone, et alors surtout, il doit savoir faire ceinture sur les très bonnes choses de la table, qui n'est pas toujours facile. Pour les autres, parce qu'il n'y a pas que les champions qui font un régime alimentaire, les autres gens en ont aussi besoin. Et pouvez-vous me citer à l'heure actuelle un seul sport où, depuis la première leçon, on inclut aux gens de s'alimenter correctement, de leur faire boire un verre de lait, de manger des œufs, du fromage, du poisson, de la viande, des légumes et des fruits à volonté. Voilà le régime alimentaire d'un sportif et d'un bodybuilder. Le bodybuilder de compétition diffère. Pourquoi? Parce qu'il doit aller plus profondément, il doit déjà vraiment un peu mener pendant 2 mois, et même parfois 3, c'est avoir son cas, une vie de moine, vraiment une vie de moine un peu spéciale, il doit savoir tirer. Alors nous le nourrissons à base de vitamines et de suppléments alimentaires pour qu'il tienne le coup. Dans mon club, nous ne prenons pas des anabolisants, je suis extrêmement contre, parce que les anabolisants, ça fait miroiter pendant une saison, et par après, il n'y restait plus rien. Les gens deviennent malades, par après, ils perdent de leur capacité. Et prendre des anabolisants pour briller 5 minutes et perdre 2 ans de sa vie, par après, ça ne vaut pas le coup. Et je suis extrêmement contre.
satisfaction que j'ai de ça, mais voyez-vous, quand mes gars vont à une compétition et que je les vois gagner, qui croyez-vous qui a gagné? Eh bien, c'est moi qui ai gagné. Parce que c'est ma vie, j'y ai mis tout dedans, tout mon espoir, tout pour ce gars, pour le mener si loin. Bodybuilding n'apporte vraiment aucun intérêt personnel. Parce que nous, vraiment, on ne gagne rien avec ça. Donc, on arrive au concours, on fait donc tout ce qu'on doit faire, et puis voilà, on est sur le podium, on est vainqueur, mais ce n'est que 3 minutes de gloire. Hein.